Dites-moi pourquoi on est là aujourd'hui. Bah pour le cancer du sein. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bah je sais pas. On est là, c'est tout. Avec ou sans perruque, avec ou sans argument, seul, entre amis, avec les enfants, les femmes de Lorient et de son agglomération ont répondu une fois encore à l'appel de la Lorientaise. Pour sa 7e édition, l'événement organisé dans le cadre du mois Octobre Rose propose de marcher ou courir contre le cancer du sein et pour la sensibilisation au dépistage. Avec officiellement 10 000 participantes, accompagnées de quelques invités, le rendez-vous est une vraie belle manifestation de solidarité pour inciter à la prise de conscience. C'est la deuxième fois que je le fais et j'avais trouvé cette vague super émouvante l'année dernière. C'est beau que des femmes se mobilisent pour ça, je pense. Ça peut nous toucher toutes et il faut être solidaire avec les gens, avec la maladie, avec tout le monde. Il fallait être là parce que c'est magnifique de faire ce qu'on fait. Ouais, 10 000 personnes, c'est beau, je trouve. Ouais. Nouvelles ou déjà venues, les femmes envoient par leur seule présence dans ce cortège un message aux malades. On veut donner un soutien à toutes ces femmes qui ont le cancer et leur dire qu'on est là pour penser à elles. Voilà, ça arrive aux jeunes, aux anciennes, aux plus vieilles. Courage, et puis on est là, on vous soutient. Et que les gens prennent en compte aussi que c'est le dépistage, hein, de toute façon. Hein. Oui, au-delà de la mobilisation, il s'agit aussi d'insister sur la nécessité d'avoir recours très tôt au dépistage. Une invitation qui, semble-t-il, trouve son écho auprès du public concerné. On le conseille à toutes les femmes, je pense que finalement, maintenant, toutes les deux ans, elles font leur dépistage et disons que ça a fait améliorer les choses et elles sont prises en charge beaucoup plus vite. C'est extrêmement, extrêmement important. Il y a la DECAM, par exemple, hein, qui écrit régulièrement aux femmes qu'il faut absolument qu'elles fassent ce dépistage. Quoi, hein, parce que plus c'est dépisté tôt, comme chacun le sait, plus le taux de réussite est quasiment 100%. Quoi. Allez vous faire dépister, surtout. Moi, je vais bientôt. Ouais. Je vais faire le dépistage bientôt. Moi, j'y vais régulièrement. Parce que plus c'est pris de bonheur et plus c'est facile à soigner. C'est très important. Si vous attendez trop longtemps, le cancer, bon, bah, il avance. Et puis c'est beaucoup plus difficile à soigner. Le message est une nouvelle fois passé. Mesdames, faites-vous dépister. Notez par ailleurs que grâce à la participation versée par chacune de ces femmes, un chèque est remis à la Ligue contre le cancer du Morbihan. 47 000 euros l'an dernier. CQFD. Venez l'année prochaine, encore plus nombreuses.